Salut tout le monde, c'est Sadran qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve sur LEGO Island 2, épisode 3. Ça fait très longtemps, oui, c'est parce que la dernière fois j'ai eu des vraiment gros problèmes techniques, c'est que ça ralentissait beaucoup le jeu puis c'était quasiment injouable. Fait que là, je joue beaucoup de mois après parce que je trouve que ça avait quand même pogné au début, fait que pourquoi pas faire la suite si vous avez aimé ça. Fait que en gros, pour le monde qui commence déjà à l'écouter, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Dans le fond, on est Pepper, c'est le petit gars là, qui livre des pizzas. Puis on a livré des pizzas dans à peu près toute la ville. Après avoir porté toutes les pizzas à tout le monde de la ville, on est allé délivrer la pizza à un client secret. Ce client secret là, c'était Casbrick, le prisonnier de l'île. Puis en lui délivrant sa pizza, il nous a fait une petite potion, je sais pas trop quoi, pour cracher du feu. Puis il a réussi à se sortir de la ville. Puis en se sortant de la prison, comme ça, il est allé dans la ville du maire. Puis Homer, il a pris un livre qui fait la base de la construction des Lego, puis il a détruit plusieurs maisons. Dans le fond, il faut attraper des pages pour refaire chaque bâtiment. Puis après ça, il a invoqué aussi plusieurs robots qui sont en train de nous envahir la Terre. Ensuite, il s'est sauvé dans l'île Castle, selon qu'on a appris. C'est là qu'on va se rendre pour rattraper Casbrick. J'y suis le premier. Non, c'est moi. C'est moi. Yeah. Il te faut un bateau. Trouve un bateau et vogue vers la fière île Castle. Les habitants et les pauvres ont besoin de ton aide. Génial! Ok, dans le fond. Ce qui paraît, ils ont détruit le pont qui fait la base de l'île Castle. Fait qu'on va se prendre un bateau, on va s'en aller vers... Oups, je trouvais pas le moteur. On va s'en aller vers cette île-là pour... en traversant le portail, puis nous mener vers... le monde fantastique de l'île Castle. Castle qui est château, donc ça va être peut-être quelque chose de chevalier. Peut-être, on sait pas. Hein, chevalier, château, roi, reine, pont. Fait qu'on s'en va vers ce portail-là qui m'a l'air vraiment particulièrement fait en Lego. Pas cool. Tiens, voilà, nous voilà dans l'île Castle. Fait qu'on va s'arrêter juste ici. Ben voilà. Ah, rien dans... Chevalier à l'armure étrange, l'enchanteur avait dit que tu viendrais réparer notre pont. Et il ne s'était pas trompé, le bougre, car tu es là. S'il te plaît, aide-nous à réparer le pont. Du calme. Je suis là pour ça. Je suis maître Lego Espon. Oh. Donc, fait qu'on est là pour réparer leur pont parce que Casbrick le détruit. Fait qu'il va me prendre... D'habitude, ça prend une page pour reconstruire quelque chose. Fait qu'on va se diriger vers le pont pour voir qu'est-ce qui se passe un petit peu avec tout ça. Plonge pour collecter des briques en évitant les obstacles. Dans le fond, ce qu'il faut faire, on est Pepper dans l'eau et il faut trouver des briques pour réparer le pont. Wow. Les briques qui sont comme ça, rouges comme ça. Puis dans le fond, il va pouvoir les poigner chacun pour réparer le fameux pont. Oh, il faut remonter à chaque fois par exemple. Ça, c'est assez dommage. Je sais pas si on a besoin d'en prendre plus qu'une. Fait qu'on en plonge dans l'eau, on va aller chercher notre deuxième, on fait attention de pas poigner. Oh, on a lévité à l'infini. Il me semble que le dauphin n'était pas un Lego. Oh, oh, oh. Tard. Non. Aïe, aïe, on peut-tu reprendre le bloc avant qu'il nous tire une autre. Parfait. Allez, 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 allez. Allez, allez, oh, on l'a évité. Oh, on a de l'oxygène aussi, faut checker l'oxygène. Oh, on a plein d'affaires à surveiller, wow. Wow, à vitesse que ça descend, j'ai pas bien peur. Fait qu'on va éviter, oh. Hold up. On va aller chercher ça, puis, savez-vous quoi, on va descendre pour aller en chercher une autre. Parce que nous autres, on est toy, on joue avec le danger, on aime ça vivre. Oh, non. Oh, aïe, 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 aïe. Ok, finalement, on va aller la chercher, puis on va l'amener tout de suite parce que... Ah, elle est poignée dans une place vraiment merdique. Oh! On a tellement évité de canons! C'est qui nous tire des canons en passant, hein? Les squelettes, là? Hey! On essaie de réparer votre pont! C'est pas de ma faute si vous êtes mort à cause de ce pont! Fait que nous, on va le réparer pareil, ça veut rien dire ce que je dis. Fait qu'on remonte en haut à la vitesse de l'éclair! Il y a une pieuvre géante qui est là. What the fuck? Oh oh! J'espère qu'il va pas trop crever! Ah! Oh, le requin revient par exemple. Oh, c'est fou. Non! Je vais l'avoir! On peut-tu l'avoir? Ah, oh, c'est là, faut attendre encore.
Alors, on monte tranquillement en même temps que les... En tout cas, le dragon, le requin peut plus nous poigner. Puis il va nous en rester une autre, je ne sais pas du tout où elle est. Ah! Putain, j'ai fait un saut, ouais. Oh, il est là! Ok, on peut vraiment pas en prendre deux à la fois. Fait que tout bad, on sait où elle est, par exemple. Fait qu'on va juste avoir besoin de redescendre. Ah! Non! 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 Je suis bugué! Ah, putain. Faut aller rattraper notre bloc. Quoi? Ça flotte. Oh, Catrec! J'ai encore fait un saut! Fait qu'on en monte en haut avec la dernière brique, on évite tous les squelettes et les canons. Et on t'apporte la dernière brique! Top! Yes! Argent! Yeah! Bouza! Merci pour ton aide, l'ami. De rien. Le pont est réparé. Nos voisins, les bovins, n'ont qu'à bien se tenir. Ouais. Super! Une page de la Constructopédia. Constructopédia, c'est ça le nom du livre. Ok, ouais. Dans le fond, ils ont pris une autre page, puis les taureaux l'ont accroché pour faire leur drapeau. Alors, cours vite au château des taureaux. Valaki! Lavaki! Ah zut, c'est qui? Je m'appelle Pepper. Mon nom est Pepper, et je viens prendre la page qui vous sert de drapeau. C'est un objet important pour mon peuple et moi. Puis-je la voir? Non, point, étranger venu d'au-delà des océans. Nous avons besoin d'un drapeau flottant au vent. Le vrai a été dérobé par ces lions. Ils sont méchants. Et si je vous rends votre drapeau? Bonne idée, étranger. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Il te faudra un cheval, naturellement. Oui. Nous t'en prêtons un. Ah, thanks, mate. Il est tiré par la tête à l'ego. Comment vous me trouvez? Pas mal, non? Pas mal, ouais. Fait qu'on a un cheval, on est le chevalier Pepper! Puis on s'en va au château des lions pour récupérer le drapeau des bovins. Amis des lions. Amis de tous les animaux. Oh. Mon nom est Pepper et je viens reprendre le drapeau des taureaux. Quel talentueux bouffon! Tu ne manques pas d'audace, tu es très drôle. Mais c'est pas possible d'obtenir ce drapeau! Les taureaux possèdent un objet qui m'est précieux. Ils me le donneront si je leur rends leur drapeau. Un instant, s'il te plaît. Nous avons discuté de ton cas. Thanks, mate. Nous te proposons une épreuve. Il s'agit d'un tournoi contre le chevalier casqué. Si tu le bats, le drapeau est à toi. On va le règle. J'ai jamais participé à un tournoi. Ça doit être amusant. Ça doit être vraiment le fun. Marché conclu. Ciao. Oh, le chevalier Pepper. Oh. Je te défie de me battre en tournoi, chevalier casqué des taureaux. J'accepte, petit. Oh. Petit toi-même, espèce de grosse vache. Oh! Mad because bad! On va rec ce petit chevalier casqué. Vous allez voir. Il va falloir viser mieux que le chevalier casqué pour gagner. Ok, là, pour recharger notre énergie, hein, c'est pas mal les deux côtés. Puis, PG Sprinter pour ensuite. Le viser en plein dessus. Don't get right, bitches! On le rec en plein dans la tranche. Oh, ok, là, faut le rec une autre fois. Et on spam. Et don't!
Bitch, get out the way! Get out the way! Bitch, get out the way! Pepper is here! Faut le battre trois fois, c'est un 3 de 5! C'est-tu spam deux affaires? Un piton, ça serait déjà mieux, mais là, deux, c'est genre mal! Mais l'issue d'un tournoi ne se décide pas au premier assaut. Moi, c'était mieux. Ah, si, là, je suis pas sûr, pas tout. J'ai fait à peu près comme tantôt, fait que là, je suis pas sûr. Oh, le retiré encore! Hein? Who's the best? It's Pepper! Pepperoni! Oh! Oh, on a eu la médaille d'or! Continuez! Yes! C'est qui le meilleur chevalier? C'est sûrement pas le chevalier casqué, mais Adwadim! Adwadim de Pepperoni! Je félicite le preux chevalier étranger. Chevalier Adwadim? Sera désormais célébré sa victoire sur le chevalier casqué. Hip, hip, hip! Hurrah! Ouais. Voici ton drapeau, si fièrement mérité. Thanks, mate. On vous rapporte votre drapeau. Mais là, nous avons récupéré notre drapeau et nous allons enfin pouvoir récupérer... Du notre drapeau. Cette page. Certainement. Pepper n'a qu'une parole. Pepper n'a qu'une parole? Je vous l'échange contre la page, sire. On dirait qu'on est comme monté. Le chevalier casqué a perdu un tournoi. Ah, ils ont... Notre chevalier casqué, certes. Je le trouvais un peu pâle ces temps-ci. Pas parce qu'il fait pas. Je le suppose. Non, c'est parce qu'il nous. Voici votre drapeau. What? Oh my God! Il nous a volé notre drapeau. Il nous regarde. je peux rien faire, moi. Salut, Pepper. Tu me reconnais? Fuck all. Je suis Cédric Leville, ton plus noir cauchemar. Et voici mes boulets de canon. Pas trop sûr des boulets de canon. pas trop sûr du rire non plus. Traverse le pont et empare-toi des canons pour clouer le bec à ce coquin de Cédric. Quel coquin? Ok. Oh, pourquoi on est apparu au lion? En tout cas. Oh my God! Quand on arrive là, il faut détruire. Oh shit! Oh my God, him! Ça peut toujours être utile. Ok, il faut détruire les canons. Oh. Il tire! Bang! Wow! Il tire! Bang! Bitch! Bang, bitch! Ah, trop bas! Tire! Avec qui le tire? Bang! Ah, c'est en fait un petit peu plus bas. Encore un peu plus bas! Ah! Bang! Get wrecked, bitches! Oh, en plein dans face! Talk! Et toi! Et il nous en reste un, je crois. Est-ce que je suis sûr de. Wow! Wow! Oh, en plein en face! Toi! Allez, par toi! Wow! Pourquoi il visait par là? Allez, on spam vite! Et. Bang! Argent, bitch! Ces canons étaient vraiment terrifiants, mais les nôtres étaient encore plus forts et plus badass parce que. On avait 4 et qu'ils devaient sûrement être plus forts que les. Vite ici. Sûrement. Et... Bang! Adieu! Et on a eu la page! Yay! Fait qu'on a libéré le problème du
de l'île Castle. On a réussi en tant que Pepper. Et on a réussi à terminer l'île Castle. Fait qu'on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que vous aimez ce let's play. J'espère que vous allez être content qu'on recommence ce let's play là avec un petit peu plus de qualité. Donc, vous pouvez laisser un petit j'aime à la vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas rater les autres épisodes. Et pour mes autres vidéos, vous pouvez liker ma page Facebook, Twitter et Twitch. Tous les liens sont dans la description. Donc, merci d'avoir regardé et ciao!